Non mais ouais, je comprends, mais attends, je te sers un peu. Non mais c'est quand même un petit peu galère, il n'y a pas beaucoup de choix de recettes. Non, le bambou, faut le supporter quoi, à la longue, on varie pas trop les plats quand même avec ça. Hey, comment ça va? Vous aimeriez passer à l'électricité verte, sauf que vous vous sentez un petit peu perdu dans tout ce choix? Eh bien, bonne nouvelle, vous allez retrouver votre chemin. Le chemin vers une planète plus saine et plus reconnaissante, puisqu'une opération vient de se lancer et va révolutionner notre vie de consommateur d'énergie. Et pour cela, j'ai un invité de marque qui va tout nous expliquer. Alors Panda, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette opération? Oui, bien sûr. WWF France s'est associé à Selectra, un comparateur d'énergie, pour lancer un achat groupé d'énergie renouvelable. Grâce à cette opération, le consommateur pourrait faire 150 euros d'économie par an sur sa facture d'électricité. Ok, ça a l'air d'être une super initiative, mais concrètement, comment ça marche ? Alors c'est simple, tu vas sur le site de Selectra, tu te pré-inscris en mettant tes coordonnées, la superficie de ton logement, etc. Ce n'est pas long, je te rassure. Ensuite, grâce à cette pré-inscription et à toutes les autres, WWF France va faire un appel d'offres auprès des fournisseurs d'énergie verte. Une fois l'appel d'offres fini, tu vas recevoir un devis du fournisseur et soit tu acceptes, soit tu refuses. Donc pas d'engagement quoi? Non, tu choisis. Tu es libre. Merci Panda, tout est clair. Si tu veux encore un peu de thé, hein, je te resserre, tiens. Vous l'aurez compris, avec cette opération, on fait du bien à la planète et on fait du bien à son portefeuille. Il était donc nécessaire que j'en parle sur ma chaîne. Si vous voulez participer, vous avez jusqu'à début septembre, donc ne laissez pas le temps filer. Je vous glisse le lien dans la description de la vidéo, vous n'aurez qu'à cliquer pour vous préinscrire. J'en profite pour vous dire qu'en matière d'énergie, le consommateur est souvent trompé. Certains fournisseurs vous vendent de l'énergie verte, alors qu'en fait, c'en est pas, et tout ça en toute légalité puisqu'ils ont acheté un certificat qui atteste qu'une certaine quantité d'énergie a été injectée quelque part sur leur réseau en Europe. Mais l'énergie que vous avez chez vous n'est pas verte. Et l'argent que vous aurez dépensé en pensant acheter de l'énergie verte ne sera pas forcément injecté dans des installations d'énergie renouvelable. Alors je vous rassure tout de suite, WWF France ne ciblera dans son appel d'offres que des fournisseurs d'électricité vraiment verte. Sur ce, je vous laisse, je vais aller planter des éoliennes et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans son jardin. Salut! Allez, vous le mettez dans votre to-do list de la journée. C'est coché ce soir, on n'en parle plus.